Je vais te donner mon conseil très sincère, comme c'était à mon frère que je parlais. Les gens, je sais que tout le monde aujourd'hui se dit que c'est parce qu'il va traverser, qu'il va briser la pauvreté de sa famille. Les trois étapes que je vais te donner là, peu importe le pays où tu es sur la terre, tu mets ça en pratique. Fais-le, les gens vont venir te chercher. Tu as voulu partir, tu as voulu faire, tu as voulu. Parfois même Dieu, quand Dieu te refuse quelque chose, c'est parce qu'il sait que s'il te donne, tu vas l'oublier. Tu arrives là-bas, tu tombes dans un petit travail, tu as un petit Effectivement. travail de 2000 euros le mois là, c'est bon. C'est Tu te retrouves fini. 45 ans plus tard, tu es vieux, tu dis, ah, j'avais pour rêve de. Nous sommes dans la meilleure époque. N'importe qui peut atteindre ses rêves. Assois-toi. Il y a l'université en ligne. Hein. Assois-toi. Concentre-toi. Arrête d'abord de dire que tu veux partir en Bain. Et je suis sûr que c'est là que tu auras l'opportunité de partir en Bain. C'est fou. Et l'opportunité, bien, hein, le gars qu'on m'a trouvé là, dans 6 mois, tu vas voir, tu m'as dit que viens. Concentre-toi. Développe tes dons. La nourriture que tu as fait, c'est autre chose qu'elle mangeait là, papa. Il y avait l'onction sur ça. Je t'ai dit qu'il y avait l'onction sur ça. Tu peux préparer. Je dis que si quelqu'un goûte ça, il va chercher que qui a fait la nourriture ici. Tu peux pas avoir un don comme ça là. L'Europe noie les dons des gens. Surtout si tu sais que je veux sortir ma famille de la pauvreté. Il y en a parmi nous que. Comme toi, tu sais que tu es censé être connu, tu le sais. Tu sais que tu es censé être riche. Mais tu sais que si tu n'arrives pas à atteindre, il y a quelque chose qui te retient. Assois-toi, tu bagarres avec toi-même. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui croit que c'est là-dehors que tu vas trouver ça. Monsieur, reste dans le pays où tu te trouves. Suis mes conseils. Donne 6 mois à ce que tu as dit là. Tu vas voir. Mais comme vous n'aimez pas souvent écouter, moi, je ne force pas moi les gens. Toi, tu vois qu'elle fait mes choses, je ne force pas moi quelqu'un. J'ai laissé Mbengue, je suis venu en Afrique. C'est cela qui a développé mes dons. Pardon. C'est ce qui a développé mes dons. Donc, ne tente même pas. Travaille nuit et jour. Il t'a dit, apprends à faire la nourriture des autres cultures. Fais. Parce que tu es quelqu'un que tu apprends vite. Quand tu regardes quelque chose, tu n'as pas besoin de longtemps. C'est Effectivement. comme ça les choisis. Tu n'as pas besoin de longtemps. Tu vois, tu connais qu'on fait comme ça. Tu fais et tu apportes ta touche. Personnel. Tous les repas des Européens là, quand tu apportes ta touche sur ça, il a dit que tu vas ouvrir un carton de restaurant là après que tu vas pas comprendre. Les gens ont envie, tu vas les former. Tu vas. Il faut échelonner vos talents. Ça, les dimensions. Les gens maintenant disent que forme-moi. Vous me cherchez pourquoi? Moi, j'ai travaillé sur mes dons. J'ai passé au moins 5 ans pour travailler sur mes dons. Les gens ne voyaient pas. Tu n'as pas su tes dons, pardon. C'est tout ce que je peux te dire. Et quoi, je ne vais pas te donner un autre truc, je vais te donner un tuyau. Même si je trouve le tuyau, il ne te donne pas. Il te dit, je trouve le tuyau de Mbeng, il ne te met pas dedans. Bah, tu vas rester ici, là. Ça va te toucher. Il faut que le pays te touche bien même. Il faut que tu commences ta vision se développe dans les problèmes. C'est là que tu vas comprendre.